Bon, et salut pour une nouvelle journée. Alors là, j'attends, je suis un petit peu en avance, j'ai une demi-heure d'avance pour mon essai qui se trouve genre là-bas, à côté de mon oreille. Et du coup, je pense que c'est une expérience, un taf en tant que dishwasher. Donc un essai de 2 heures, et normalement après on devrait avoir un petit entretien, tu vois, et en espérant que ça va le faire, quoi. J'espère vraiment que ça va le faire, je le sens bien en tout cas, tu vois. Encore une fois, là où j'ai eu mon essai, c'est un endroit où je le sentais bien, donc au final, on va voir, quoi. Gonna get a little bit of cloud, but yeah. It should be fine. I didn't vlog enough today. Bon, du coup, je t'ai pas dit, j'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai eu le job. Enfin, j'ai eu le job. L'essai s'est vachement bien passé. Et du coup, derrière, il y a quelqu'un qui va vlogger là. Et ouais, donc l'essai s'est bien passé. Donc ils me prennent donc 38-40 heures approximativement. Donc ça, c'est cool. On va faire des rentrées d'argent et on va pouvoir mettre de côté pour la Nouvelle-Zélande. Et là, on va faire une sorte de shoot avec Kyle. Je t'ai pas du tout parlé de ce mec, mais en fait, c'est un Scottish, donc écossais, qu'on a rencontré ici à l'hôtel. Et il est aussi sur YouTube. Il fait aussi des vidéos et des vlogs. Hey, how are you? Sorry. I'm in the way. Il fait aussi des vlogs, il a une chaîne avec bientôt 1000 abonnés, tu vois, donc on est à peu près pareil. Sauf que lui, il fait des trucs vachement plus créatifs, c'est vachement plus tourné sur le filmmaking et sur les shots artistiques, les trucs pro, tu vois. Les trucs un peu en steadicam, en glidecam, avec des couchers de soleil et tout. Et là, on va shooter un truc ensemble avec Léa qui est là. Il voulait faire un petit shoot de nous deux en mode un petit peu couple, quoi. Donc on va voir, et bah tiens, il est en train de vlogger là. Tu vois, c'est lui, Kyle. T'es prête, chaton? Mais elles sont... Ah, mais tu les as défaites! Alors voilà, là on fait semblant de vlogger parce que Kyle est juste... en fait, il est juste devant nous et il essaye de... Enfin, il prend ses shoots, quoi. Voilà. Il est juste là. Regarde, c'est joli. Joli, joli. Essaye de choper un grain. Bon, et voilà, on a fini le shoot et moi j'ai un énorme charlot là. Ah ouais. Genre de truc que tu veux pas avoir sur le crâne, tu sais. Et on a fini le shoot, c'était hyper sympa, c'était hyper chelou, hyper zarbi, parce que enfin, j'ai déjà été en face de grosses caméras, du coup, tu sais, à Melbourne, j'avais tourné dans quelques pubs et dans un film notamment. Mais là, ça faisait vraiment bizarre parce que t'es le centre du truc, quoi. Donc je sais que là, Kyle, il galère un peu à exporter sa vidéo, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en question dans la description. Comme je te disais, c'est vraiment... Lui, c'est beaucoup, beaucoup plus élaboré, tu vois. Ces mini-clips que je te mets là dans les vlogs qui sont assez nouveaux, quand je te filme un palmier en mode le palmier rappeur, tu vois. Mais lui, il te fait ça puissance 10 000, c'est un truc de ouf. Et là, il a vraiment fait, enfin je l'ai pas encore vu, mais il va vraiment faire une vidéo stylée. Donc je te mettrai la vidéo dans la description au moment où elle sera sortie. Donc si tu la regardes très tôt, celle-là, elle y sera peut-être pas, mais si tu regardes, je sais pas, peut-être dans un jour, tu vois, elle y sera sans doute, donc tu verras ça. Et puis moi, je vais te laisser là et on va se retrouver dans le podcast de demain, du coup. Aussi, il y a un truc, c'est que il n'y a pas eu de questions du jour dans les podcasts depuis un bon bout de temps, et s'il n'y en a pas eu, c'est tout simplement que j'en ai pas eu moi. Donc tout ce que j'attends, tu vois, c'est qu'il y ait des questions pour y répondre. Tant qu'il n'y en a pas, moi je raconte ma vie, tu vois, mais s'il y a des trucs que tu veux me demander, tu peux, tu me le laisses en commentaire dans le vlog ou sous les podcasts, peu importe, et on en parle, quoi.
Allez, moi je vais te laisser là, il est 23h là. Je te dis à la prochaine et à demain dans le podcast. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Ciao.